Je n'ai TV, je n'ai Kitoko. Image na yona mwanda nche balelango makasi. Je n'ai TV nangai, banakini basepeli makasi. Ba diaspora, bana Congo. Bosunga je n'ai TV, ekende liboso. Je n'ai mounene, je n'ai TV, je n'ai mounene. Image na yona mwanda nche balelango makasi. Je n'ai TV nangai, bana Congo basepeli makasi. Banakini, chaîne oiza pour nabino. Pour que je me par-ci par-là. On a ces pays qui font, bana Congo, bana Poto, bana diaspora. Vous abonnez à la chaîne Abino, Génor TV, Minga Rolobezati. Boki, Eza Génor TV. Vous abonnez massivement, vous soutenir Génor TV, vous soutenir Soussou. Bana Diabisso, Franck Ojivadol, il est pour Naba Initiative. Génor TV. Voilà, tous les sous sur le plateau pour la deuxième fois, na deuxième numéro. Tous toujours na plateau ya tout le belayango. Tous le belango les sous. Tous le belango parce que makamokoloba ezali. Comme je vous ai toujours dit, nambo kanabiso chaque jour by événement ezalaka. Mais na sengi na bandeko bazo la nabiso pour l'instant. Bosunga biso s'il vous plaît. Na lingi na banako rappeler rabino. Bosunga biso kandenge bosala salaka et ça la biso plaisir nenge to fanda botolobaka seule façon na bino pona ko soutenir biso eza kaka ndenge bozwa ka balien na biso bo partager ka ngope na ba groupe bozo tine la bande ko mususu c'est ça donc bozo motiver biso parce que to ebi kezana bato baza d'accord te na makambo to zoloba par le fait ya kozala na kan oyo ezo bundisa kan o ngana zali. On a ba oyo baza d'accord na makambo to lobaka. Je crois ekokute bangote. Pona ko liker ba video na biso. Ndenge bozomo na ngwana o aimer yango pona ko commenter o commenter o pesi avina yo. O soutenir ate le koto zo sala, o soutenir yango. Parce que ba o baza contre, il faut ba mimona ke baza muke biso za ebele. Aux super liés au partager. Ce qui nous au s'abonner. Au s'abonner na Génor TV et aux ala malamu. S'abonner ils a nous sont na tangi ils a gratuit. Bagokata yo et le côté nimbo na banque. Bagokata te nim mega. Bagokata te ils a gratuit. Donc ce que sali ango je crois et qu'aux ala malamu. Vraiment bocha biso poa to avancer. Bocha biso poa pina to avancer. Alors na sengi vraiment bosunga biso bocha biso poa. Bocha biso pena poa bo partager abonnement et mata et ko sala biso plaisir na pesi numéro pona bande ko radio comme d'habitude 0 82 42 47 635 0 97 00 44 671 0 97 00 44 671 bande ko nyoso balanda biso na radio sanga na pesi minombote merci beaucoup pona motivation nabino, merci beaucoup. Yango tozawa na toujours répété ba numéro. Vraiment ils appo nabino parce que boza pena très motivé. En tout cas, merci bandegonyo sa kapanda, bandegonyo sa partout. Bandego ya Yasnel, bandego ya Kanangade partout là-bas. Na pesi bino merci pour bozo komela nga mingi. Voilà. Kenyatta Uhuru ancien président ya Kenya. Oaza ko chapoter au hasard facilitateur, au hasard désigné comme facilitateur, naba conflit rwando-congolais, asengi naba parti mibale au bazo beta na masas, asengi na bango ba arrêté Bitumba. Question nazo soulevé, yango nazo senga naba congolais au bazo la nangai, ceux qui boza d'accord. Beaucoup m'ont commenté, oui, tout ça d'accord. N'a cessé le fait. Oyo, Kenyatta, Uhuru, Asengi, na M23, na Wazalendo. Asengi Bango, ba respecter, cesser le feu. Asengi Bango, ba arrêter, ba hostilité, ba affrontement na Bango, ba arrêter Yango. Si vous n'êtes pas d'accord, Bandeko Bozola Nangai,
Bossa la signe nasé, boko manasé, bola kisake, vous n'êtes pas d'accord. Parce que, ba émission yo, bata la kangwata ba autorité, nabiso, bata la kabiso, balanda kabiso, balanda kabiso, balanda ka, yaron mona baso ba décision moussoko soit décision mouboui. Mais, après quelques jours, on m'a changé. Pourquoi? Parce que balanda kabiso, balanda ba commentaire, nabino na Facebook, na WhatsApp, na TikTok, ba tweet. Balanda batanga ba commentaire pour baye ba volonté ya ba congolais. Alors soko za d'accord, signaler na se, même soko za contre, signaler na se. Kenyatta Uhuru asengi na M23 na wazalendo ba cesser le feu, ba arrêter na ba hostilité, na ba affrontement. Qu'est-ce que vous en dites? Kenyatta Uhuru avance raison au lobby, c'est pour donner une chance au retour de la paix et la à la recherche d'une solution non militaire. C'est-à-dire, il veut faire retourner la paix dans une zone où cette paix-là n'y était même pas. Il veut retourner la paix à Bunagana. Et pourtant, ça fait, je crois, une année, les populations de ces coins-là, de ces territoires-là, occupés, massacrés par les M23, n'ont pas la paix. Mais je ne sais pas, il s'agit de quelle paix que Uhuru Kenyatta parle ici. Il va retourner la paix dans ces zones-là, comment? Et pourtant, ça fait à peu près une année que ces zones-là, que ces coins-là, ces territoires, que ces populations de ces coins n'ont pas la paix. Maintenant, ici, il s'agit de quelle paix? Il dit, nous sommes à la recherche d'une solution non militaire. Mais écoutez, combien de voyages que Félix a effectué? Combien de voyages que Lutundula a effectué ici? Toujours dans les cadres de EAC. Dans les cadres de EAC. Les résolutions qui ne sont même pas respectées par les Rwandais. Et vous-même, vous n'êtes pas en mesure de condamner les Rwandais par le fait qu'ils ne respectent pas ces résolutions. Mais vous nous demandez maintenant, vous voulez intimer l'ordre au Wazalendo de se retirer ou d'arrêter de... Mais écoutez, et pourtant vous aviez déjà récupéré tous ces territoires là dans lesquels M23 était installé. M23 Bakéi, après Bazongi, Bozu ba territoire, Botikeli Bango. Boko mbinona bango bozo kanga ba photo, bozo publier na réseaux sociaux, ba militaire ya EAC. Na M23, bozo publier ba photo na réseaux sociaux. Si ko yo to tche ba ngon pression, ba na mboka, ba wazalendo, ba résistant, ba tche M23 pression. Alors, bozo senga si ko ba ngon, ba ti ka ko attaquer M23, parce que bozo à la recherche d'une solution non militaire. Il s'agit de quelle solution, Uhuru Kenyatta? Il s'agit de laquelle? Nous vous avions donné la confiance ici. Nous vous avions donné la confiance ici. Vous nous avez foutu la merde. Vous nous avez foutu la merde. Nous, on pensait que nos frères de tous ces coins-là allaient être enrôlés, allaient participer aux élections. Mais hélas, ils n'ont pas eu cette chance-là, malgré votre venue, malgré votre intervention. Vous avez récupéré tous ces territoires. Et pourquoi nos frères de ces coins-là menacés ne se sont pas fait enrôler? Pourquoi? Si réellement que vous étiez à la recherche de la paix, vous étiez à la recherche de la solution non militaire, pourquoi les populations de ces coins ne se sont pas fait enrôler? Et pourquoi ils n'ont pas eu la chance cette année de participer aux élections? Pourquoi ces gens-là ne seront pas représentés au Parlement? Pourquoi? Ça, c'est une diversion. Je peux considérer ces propos comme diversion. Je peux les considérer comme diversion. Kenyatta Uhuru, vous voulez décourager ces jeunes-là. J'en suis contre, totalement contre. Moi, j'en suis contre. Ce n'est pas le moment. Nous avons espéré en vous et vous nous avez foutu la merde. Vous nous avez foutu la merde, vous nous avez déçu. Vous nous avez dit si que vous n'avez pas eu le mandat, votre mandat n'est pas offensif. Le gouvernement congolais dit non, votre mandat est offensif. Et vous, de l'autre côté, vous dites non, ce n'est pas offensif. Alors, si ce n'est pas offensif, ça a quelle importance?
Parce que tout ce que nous voulons, c'est que les alliés qui vont venir, qu'ils viennent combattre, qu'ils viennent nous appuyer dans ces combats. Mais là, vous nous dites que vous n'avez pas le mandat offensif. Mais nos jeunes résistants qui veulent défendre l'intégrité territoriale, qui veulent chasser et mettre dehors le M23, les terroristes, et ils le font encore très bien tout en respectant les droits internationaux humanitaires. Mais vous vous levez encore pour décourager ces jeunes gens. Vous voulez nous amener encore dans vos distractions là. Et à la fin, vous récupérez encore les territoires et puis vous allez les remettre. Mais non, vous avez un plan machiavélique. Vous avez un plan machiavélique. J'avais beaucoup de confiance en vous, M. Kenyatta Uhuru. Mais pour le moment, j'ai perdu toute cette confiance-là. Je ne compte pas encore sur vous. Il n'y a que le président burundais, Ndayishimiye, qui inspire notre confiance. Vous tous là, vous nous avez foutu la merde. Vous êtes dans le même sac tous. À part le président burundais, dans votre structure là, il n'y a que lui qui est sincère. Mais vous tous là, vous êtes dans le même sac. Alors nous ne pouvons jamais accepter cette proposition. Il y a des menaces par-ci par-là. Il y a l'ambassadrice des États-Unis qui menace maintenant, qui nous menace des sanctions. Mais écoutez, laissez-nous nous battre contre les M23. Ne nous embrouillez pas, laissez-nous nous battre parce que nous sommes déjà motivés. Ces jeunes garçons-là, ils ne vont pas reculer. Et nous, les peuples congolais, nous n'allons pas reculer. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de tout simplement récupérer nos territoires qui étaient jadis occupés par les terroristes du M23. Nous n'avons pas besoin de vos distractions-là. Non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Vous comprenez que Kagame est déjà affaibli. Kagame est affaibli. Félix a coupé tous les liens diplomatiques du Rwanda et des grandes puissances là. Il n'y a que la France qui est restée, mais la représentante de la France, je crois, les représentants, ils ont un homme là qui, voilà, les représentants de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies, il avait quand même fait une déclaration après le discours de Lutundu là pour demander au Rwanda de retirer son soutien au M23, tout ça. Mais les États-Unis quand même ont réuni le courage de sanctionner le Rwanda. Félix a fait un grand travail quand même. Il a fait un grand travail de déconnecter les Rwandais du monde. Il a dévoilé la malignité de Kagame. Et aujourd'hui, tout le monde sait que Kagame c'est malin, Kagame c'est félin, Kagame. Il est comme ça. Tout le monde sait que Kagame est mauvais. Tout le monde sait que c'est Kagame qui est à la base de toutes ces tueries, de toute cette hécatombe, de cette agression, de tous ces massacres. Tout le monde sait que c'est Kagame qui est à la base. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies a les rapports des experts. Tous les membres de l'Assemblée générale ont les rapports que c'est Kagame qui est à la base. C'est lui qui sème l'insécurité en Afrique centrale. C'est Kagame. Mais vous allez encore demander à nos voyants, jeunes Wazalendo, de se rétracter. Pourquoi? Est-ce qu'on vous a dit qu'ils ont violé ces M23 qui tuent? Ce sont des Tutsis rwandais qui massacrent, qui tuent les Tutsis congolais pour incriminer les Wazalendo. Ils ont fait une déclaration ici pour démentir ça. Non, il ne faut pas nous provoquer. D'ailleurs, ma chaîne Yagoma, Yanor Kivu va préparer marche Moko pour nous réclamer départ à EAC. Je soutiens cette marche-là. Bandekonanga Yagoma, Nor Kivu. Je vous soutiens. Marche Nabinouana, nazo soutenir Yango. Faites la pression que ces gens-là partent, qu'ils quittent notre territoire. Qu'ils quittent notre territoire. Nous n'avons pas besoin de ces gens. Ils ne font rien. Kagamaza déconnecté. Moma Otozali, Kagamaza affaibli. Nous pouvons en profiter. Kagamaza affaibli. Bolandi, déclaration ya Human Rights Watch. ONG Wana, on défendra le droit de l'homme. Basali déclaration, ba accusé Kagame, ba lobby, c'est lui qui est à la base ya ba massacre Nyoso. Oyo ba opposant rwandais baza ko subir à l'étranger. Ba lobby, c'est Kagame qui est à la base de cette répression extraterritoriale.
na Grande-Bretagne, Amérique, France, Afrique du Sud, moi ma pays nyosoana. Les Rwandais, les opposants de Kagame qui vivent dans ces pays-là sont menacés. Alors, Youmenora Tuot a condamné cette répression extraterritoriale. Bakimi bakena exil, mais Kagame azo lande la bango tin exil. Balobi, les ambassades, les ambassadeurs du Rwanda, ils sont en complicité. Ils sont impliqués dans ces massacres. Il faut passer ses opposants à tabac. On les massacre, on les tue. Il y en a qui sont portés disparus. Mais dans les enquêtes de Human Rights Watch, ils ont découvert que c'est le régime du Rwanda qui est à la base de ces massacres-là. Ils mettent très mal à l'aise les exilés politiques rwandais qui vivent dans ces pays-là, si je mentionnais. Et le porte-parole du gouvernement rwandais, il a démenti ça. Oh non, Human Rights Watch ne connaît pas le Rwanda bien, il a dit ce qu'il pense, machin. Qui ne connaît pas le Rwanda? Il y avait un opposant qui était emprisonné là-bas, Paul. Ils ont des noms là compliqués, Paul Rubaziza ou Rubaziza, quelque chose comme ça. Mais le monsieur là a été emprisonné là-bas combien d'années? Après Kagame a combien gagné? Oh non! A eu pression, il y a Amérique, a eu pression, il y a pays qui sont pour libérer, il y a eux qui sont niote, il faut ça la Mukanda, ou le baké, ou c'est un pardon, la bakisation, ma camion sur le bandeau, le bananaï, ça il y a un Mukanda, comme ça, ou c'est un pardon à Mukanda wana, de la libérer. Si pour la paix, elle est libre, Boya, Abina ou ça Mukandati, Kagame a eu pression, si bah, il y a un petit peu de conseil. Asala Mukanda Lukuta, oh na sengyo pardon, ne va libérer. Bon musicien oya kufa, oya yemba kaze momoko, et pas na biso combien de musiciens bazo mbela Tshisekedi. Baza combien? Oh bazo ba contre Tshisekedi, baza combien? Mais musicien moko ayemba contre Kagame. Baboma yemba la moko. Donc démocratie za na Kagame, il n'y a pas la démocratie là-bas. You menera tu hote, c'est qu'il n'y a pas la démocratie là-bas chez vous. Alors Kagame est affaibli. Naïb Sabino la fois passée qui a condamné ba collaborateur naé Aibisi bango ke bino bondur gana erreur. A affaibli. Il est affaibli. Alors c'est le moment pour Nabiso ko profiter. To beta M23 parce que soutien na bango et katani. Kagame za suna mindu kité ba soda mingi ba kufi pe na est. Atinda ki ba soda mususu ba yakiao. Ba bombarder mo ba vio na bango ba kufi. Ba soda mususu ba yaki. Ba beti bango masasi basali bango mbiskade na ba wazalendo matangeza na Rwanda Kagame condamné ba collaborateur na ba pourquoi botika kingana zo décision ko agresser Congo Kagame est affaibli, c'est le moment pour nous de profiter to beta M23 Kenyatta, cher président honoraire, tout ce dont nous avons besoin c'est de chasser les M23 sur le territoire congolais, c'est de récupérer nos territoires qui étaient occupés par les M23. Donc nous sommes contre tous ces gens-là qui manifestent ces intentions très mauvaises. Mais nous sommes pour tous les étrangers qui viennent pour investir chez nous. Nous les soutenons. Notre porte n'est pas fermée pour ces étrangers. Les investisseurs qui viennent investir chez nous, ils sont les bienvenus. Mais nous sommes contre tous ces gens-là qui viennent avec cette mauvaise velléité expansionniste, qui viennent avec l'intention de récupérer des espaces sur le territoire congolais. Nous sommes contre tous ces gens. Nous sommes contre tous ces gens. Cher président Kenyatta Uhuru, excusez-nous. Ne nous embrouillez pas, s'il vous plaît. Tout ce dont nous avons besoin, c'est ce que je viens d'énumérer ici. Alors laissez-nous tranquilles. Je vais parler de Matata Ponyo dans quelques minutes. Matata Ponyo en exil. Auditeur nanga moko atuna kinga question wana. Alobi ndeko Frank, pourquoi battu à Aner? Deuxième,
Bah service nous sur les renseignements. Bah dit que matata, il y a un dossier qui est ouvert à la Cour constitutionnelle contre Matata Ponyo. Mais pourquoi tous nos services d'intelligence ont pu laisser Matata Ponyo s'en aller en exil? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la complicité. Matata sollicite auprès de la Cour constitutionnelle 2 mois de repos pour des raisons de santé. Matata estime qu'il est malade, alors il doit s'en aller en Europe pour se reposer là-bas. C'est comme si ici, Matata n'a pas une résidence. Matata n'a pas un domicile en RDC où il peut mieux se reposer. C'est comme si ici, il n'y a pas de médecin. Ici, il n'y a pas des hôpitaux dans lesquels Matata peut se faire soigner. Ça complique. Matata qui a dirigé ce pays, Premier ministre, il a dirigé le gouvernement pendant 5 ans, je peux dire. Mais aujourd'hui, Matata qui tombe malade, et il va solliciter la clémence de la Cour constitutionnelle pour aller se faire soigner en Europe. Pour aller se reposer en Europe. Mais tous ces gens ici, Yango Moni, Ermoko et Pianga méchant. Et Pianga Kanda. Au moins, la Moutuloko Matata, après, répond à Yé, à Zongi, ou soit à Zongi Tenenga Kiwan, à Kelibela. Et abandi ko le kanaba médias internationaux, surtout médias français, abandi ko pe sa biso leçon de morale, de bonne gouvernance. Mutuloko la matata, aza mutumo na vraie boule. Soka beli ba soigner ye awa, ake na cinquantenaire. Ake na muto modi kembe mama biamba. Ake na hôpital général. Ake na clinique Ngaliema. Ba soigner ye. Il faut que na ba hôpital na biso na ba parce que ou bien kende ce qui n'attend na ye qui va créer qui ba hôpital mususu ake na ba hôpital wana ba ke soigner ba ke soigner. Pourquoi cette discrimination là? Donc biso ba citoyen lambda ndeto ko kende na mo hôpital ba centre mikie ba hôpital ya Congo mais bino ba dirigeant. Ceux qui ont béni, ils ont confiance dans l'hôpital de Bissot et Awate. Et pourtant, yo, au dirigeant Bissot, tu étais susceptible de nous construire des hôpitaux ici, modernes. Ce qu'il y a en Europe là, il fallait qu'il y ait Awa. Tu pouvais le faire. Mais tu ne l'as pas fait, malheureusement. Au tomber malade, bah même yo, aucun en Europe, aucun ne sait faire soigner en Europe. Aucun ne sait faire soigner en Europe. Et puis ceux qui sont dans Sili ont commis exilé politique et tu commences maintenant à nous donner les leçons de morale. Obando condamné Tshisekedi, Obando condamné Bobazana pouvoir Sama Lukonde. Et pourtant place au Sama Lukonde Azali, yopoza la qui place au Wana. Tu n'avais rien foutu. Tu n'as pas construit les hôpitaux pour les citoyens lambda, pour la République. Tu n'as construit qu'une université, un bien privé chez vous au Maniema. Mais ici, tu vas commencer à nous donner les leçons de morale. Il y a un autre chose qui est congolais, Bofongo la miso. Au matin, ils ont une manœuvre dilatoire. Ce que Matata fait là, ce sont des manœuvres dilatoires. Matata a fait passer du temps. Matata a abordé le fond de cette question-là de Bukanga Lonzo. Matata Lobi, il est innocent. Matata Lobi, il n'a jamais détourné ces fonds-là qui étaient alloués à ces projets du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. Il a dit qu'il n'a jamais détourné ces fonds. Mais la Cour constitutionnelle te cherche, Matata. La justice de ton pays te cherche. Mais tu n'as qu'à répondre à cette justice. Tu n'as qu'à venir prouver que tu es innocent. Tu n'as pas détourné. Mais pourquoi tous ces zigzags? Pourquoi toutes ces manœuvres dilatoires? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Matata zone okena bisoti campagne salema aya sa la campagne après non. Écoutez, non. Local a déjà il y a eu le revirement jurisprudentiel. La Cour
par la saisine de la Cour constitutionnelle, par la saisine de la Cour de cassation, s'était reconnue compétente. Il y a déjà un arrêt. C'est-à-dire tous les anciens premiers ministres sont justiciables de cette Cour-là, même si ce n'est pas aujourd'hui. Parce que les faits pour lesquels vous êtes poursuivis, ils sont imprescriptibles, Matata Ponyo. Ces faits sont imprescriptibles, même si ce n'est pas aujourd'hui, mais tu seras toujours poursuivi. Tu seras toujours poursuivi. Tu dois venir devant la cour, prouver ton innocence. Nous dire celui qui avait détourné tous ces fonds-là, qui étaient alloués à ces projets des parcs agro-industriels de Bokangalonzo. Tu dois venir nous expliquer, nous en avons besoin. Matata, au nom du principe de redevabilité, Matata, tu es redevable vis-à-vis de cette population. Nous t'avions donné le pouvoir, la confiance. Matata, tu n'as qu'à venir nous expliquer ce que tu avais fait avec notre argent de Bokangalonzo. Aujourd'hui, nous sommes derrière la Zambie pour chercher les semoules. Et pourtant, l'État congolais avait mis beaucoup de moyens pour ces projets-là. On aurait beaucoup de maïs ici, mais à cause de ta malignité, vous avez détourné cet argent avec vos amis kleptocrates, les mandocataires. Vous nous avez détourné cet argent-là. Et aujourd'hui, nous connaissons chaque année pénurie de maïs, de cette denrée alimentaire nécessaire. Et tu as pris la poudre d'escampette et tu sollicites encore auprès de la cour des mois des repos pour des raisons de santé. Matata, tu nous as déçus. Nous t'attendons, il n'y a pas de problème. Candidat Matata, nous t'attendons. Même si la cour ne va pas te sanctionner, mais sache qu'il y a la sanction populaire. La population, le peuple congolais va te sanctionner. Mais si nous sommes arrivés à la fin, nous vous disons sincèrement merci pour tout. Partagez les liens de cette émission. Nous sommes au 082 42 47 635. 082 42 47 635. 097 00 44 671. 097 00 44 671. Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver prochainement. Genoc TV, Chana Kitoko. Imagine yona mwanda nche balelango makasi. Genoc TV nangai. Bana kini basepeli makasi. Ba diaspora, bana Congo. Bosunga Genoc TV, ekende liboso. Chana mounene. Genoc TV, Chana mounene. Imagine yona mwanda nche balelango makasi. Genoc TV nangai. Bana Congo basepeli makasi. Bana kini. Chaîne Oiza pour Nabino. Pour image par-ci par-là. On a ces qui fort. Bana Congo, bana Poto, bana diaspora. Vous abonnez à la chaîne Nabino, Genoc TV. Minga Rolo Bézati. Boki, Eza Genoc TV. Vous abonnez massivement. Vous soutenir Genoc TV. Vous soutenir sous. Bana Diabiso, Franck Ojivadol, il est pour Naba Initiative. Genoc TV.